Il y a les intérimaires, super. Et il y a les... Je suis fou, bah, il faut le ventiler, il n'y a pas de problème. De façon à ce que le MEDEF trouve en face de lui une véritable barrière à ses projets de destruction massive. Que c'était une première action aujourd'hui tous ensemble et qu'au niveau national il y avait une trentaine de villes où il y avait des actions, qu'on était très déterminés et qu'on lâcherait rien, que les propositions qui sont faites par le MEDEF et des propositions de flexibilité ne nous conviennent absolument pas, que nous ne voulons pas des droits rechargeables, qu'on demande au contraire une meilleure indemnisation et plus longtemps, voire jusqu'au retour à l'emploi, qu'on voulait que les primo-demandeurs soient indemnisés rapidement, qu'on trouve des solutions pour les seniors. Donc on a fait valoir l'ensemble de nos revendications en général, et puis avant et après, il y a la Fédération des spectacles qui a mis en avant l'histoire des annexes. Et puis on a aussi parlé du contexte plus général en disant que aujourd'hui c'était l'Interpro qui était ici, les secteurs en lutte, et que donc on allait vraiment agir de partout autant que le faire se peut. Voilà. Le deuxième rendez-vous, puisque nous sommes déjà venus la semaine dernière, nous avons rencontré les deux mêmes personnes. Donc nous avons dit que à chaque nouvelle séance de négociation, nous serons là. Vous savez sans doute que concernant les annexes spectacles, le MEDEF hier a remis un préalable à la négociation d'aujourd'hui disant qu'il ne retirerait rien de ses propositions et qu'une nouvelle fois il refusait de discuter les autres propositions. Donc nous avons dit que c'est incontournable pour nous, que nous n'accepterons pas, que nous continuerons tant qu'il n'y aura pas une étude chiffrée de l'ensemble des propositions, et entre autres celles de la CGT, qui sont, à notre avis, les plus pertinentes, voilà, nous avons un pouvoir de nuisance, voilà, partout. On leur a dit qu'effectivement aujourd'hui les intermittents de France 3 sont en grève et que ça pourrait se répercuter ailleurs. Aujourd'hui c'est la quatrième séance. C'est la quatrième séance de négociation. Il en reste une pour l'instant le 13 mars. Ça ne sera certainement pas la dernière. Ils commencent à parler de prolongation vu qu'ils n'ont pas commencé à discuter, à négocier. Donc nous continuerons tant que les négociations continueront, à condition que ces négociations soient de vraies négociations et non pas un monologue du MEDEF. Voilà. Et si ça doit durer, eh bien, nous aurons le Festival de Cannes, nous aurons les divers festivals dans cette région.
Il y a les Césars, il y a les Molières, il y a des tas de choses. Ici, en PACA, nous avons beaucoup de choses. Nous avons commencé à distribuer des cartes postales dans certaines villes, des cartes postales auprès des commerçants de certaines villes festivalières, disant que si les commerçants, de leur côté, ne font pas aussi pression sur leur chambre syndicale patronale, ils pourraient avoir... des retombées économiques graves cet été si les problèmes de l'assurance chômage ne sont pas réglés. Voilà. Voilà. Et donc on leur a dit que si ça continue comme ça, bien entendu, nous revenons le 13. Ouais, sachant que le 12, nous donnons rendez-vous à tout le monde, mais beaucoup plus largement, au public et à tous les gens concernés par la culture, ça fait du monde. Normalement, c'est tout le monde.